Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Il est un peu tard pour commencer à vlogger, il est 5h30, mais en finissant de travailler, ma mère m'a demandé si je voulais aller au Costco. Fait que évidemment, j'ai dit yes! Et puis on est allé au Costco, et puis j'ai une tâche, je sais pas c'est quoi, je m'excuse. Fait que c'est ça. J'étais allée au Costco, puis je me suis dit, ah, ben, je vais en profiter pour vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Puis hier, j'étais allée au Carrefour Laval pour acheter des pantalons. Fait que je vous montrerai qu'est-ce que j'ai acheté aussi. Ça a coûté 220. J'ai beaucoup de poulet, poitrine. Beaucoup de steak, 3A. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'attire. Bleuet. Des gigantesques fraises, probablement boostées aux OGM. Oh, la merveilleuse salade de couscous. Elle est si bonne. Puis, tu sais, c'est le fun des fois de faire changement de mon riz que je prends à côté de mes repas. J'ai pris 24 œufs parce qu'ils n'ont pas de trentaine. Fait que j'ai pris 24 petits cocos. On n'avait plus de pastilles pour le lave-vaisselle. Des sachets, excusez-moi. Et on n'avait plus non plus de savon pour laver la vaisselle. Fait que j'ai acheté les deux. Je vais en avoir un pour un papier bot. J'ai acheté du saumon fumé parce que Alec a changé mon meal plan. Puis le matin, je prends une toast sans gluten avec des avocats et du saumon fumé. Trop bon. Fait que ça coûte tellement cher, sincèrement, je capote. Tu sais, je savais que ça coûtait cher, mais. Fait que je les ai pris en. Il y avait ça les gros paquets, mais là, ça, je trouvais ça intéressant. C'était 10 portions de 75 grammes chaque. Fait que, quand t'ouvres l'affaire, t'ouvres pas tout le paquet au complet. J'ai acheté des RX Bar parce que ça, c'est tellement bon, sincèrement, là. Puis c'est pas comme. Tu sais, mettons, j'ai acheté des Clif aussi. Mais ça, tu sais, c'est plus comme du sucre. Puis, tu sais, mettons, les ingrédients. Mettons, je sais pas, mais. Sucre de canne. High oleic sunflower oil, cocoa butter. Ben, pourquoi je l'ai pas en français quand c'est niaiseux? Acide absorbique, acétate d'alpha carbonate de je sais pas quoi. Tandis que ça, les RX Bar sont un petit peu plus chers, mais il y a deux saveurs. Une, noix de coco chocolat, puis l'autre, chocolat sel de mer. Puis les ingrédients, c'est genre date, blanc d'œuf, noix de cajou, amande, chocolat non sucré, cacao, arôme naturel, sel de mer. C'est tout. Genre, allô? C'est ben mieux. Ben moins d'ingrédients sketch. J'ai acheté des Dentastics pour Nilo. C'est pour toi! Petit amour. Et puis j'ai acheté une brique d'Allegro que je vais congeler parce qu'il en restait déjà. Mais ça vaut tellement la peine quand on va au Costco, c'est genre 8$ pour tout ça. Tandis qu'à l'épicerie, c'est genre 6 pour la moitié. Donc, je range ça puis je pense que je vais me têter un resto avec mon père et ma belle-mère. Parce que Carl n'est pas là, il travaille. Donc, je range ça puis on regarde ça. Mes achats du Carrefour Laval. J'ai acheté. Premièrement, j'ai racheté mes Air Force One que je rejette tout le temps parce que j'ai juste montré la différence avec mes anciens. Je vais en prendre un de chaque dans mes mains pour que vous compreniez à quel point j'étais comme. J'étais plus que dû. Je vais tourner de bord pour que vous voyez bien. Sincèrement, j'ai honte. C'est dégueulasse. On dirait même pas les mêmes souliers. Fait que ça fait du bien. Reste de mes achats que j'ai fait, j'ai acheté ces pantalons-là du Zara. Genre des pantalons en toile, on dirait. Comme jambes évasées. Les voilà. Ça s'appelle The Gardener Pants. Voilà. J'aimais les poches en avant, je trouvais ça un beau détail. À part ça, j'ai acheté au H&M une grosse genre de. Je sais pas si vous avez vu passer cette trend-là là, sur Insta ou Pinterest. Moi, je suis accro à Pinterest pour les outfits. C'est genre des gros. Ça me fait penser à des trucs de grand-père, genre. Comment ça s'appelle? Un débardeur, je pense. Comme full oversize pour porter. Mais il était quand même cher, sincèrement. Là. Je voulais pas l'acheter, mais j'étais genre, ça n'a pas de sens. Genre 40.
Tu sais, c'est pas, là, ça va pas me mettre dans la rue, mais comme 40$. Je sais pas si c'est parce que maintenant, je suis habituée de magasiner en sucré, là, mais... Puis je me suis repris mes mom jeans. Je pense que je vous en avais déjà parlé, là. Mes mom jeans Zara, là, soit que leurs pantalons agrandissent ou ils rapetissent. Puis ceux-là, ils ont rapetissé, puis ça m'a tellement fait chier. Fait que c'est des mom jeans noirs bien normales. Puis aussi, j'ai acheté les pantalons que je porte. C'est des Lululemon, ok? Puis moi, je comprenais pas le hype alentour des Lululemon. Je me disais, tout le temps, voyons, on se payait 100$ des leggings de sport, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, j'ai une de mes clientes, elle m'a dit, s'il te plaît, essaye-les, genre. Fait que là, j'ai essayé. Et je les ai achetés. Ils sont tellement, genre, vraiment, ils sont full taille haute. Puis genre, je sais pas comment dire, ils font tout le ventre. Puis, bon, je m'excuse pour les cœurs, ben pas les cœurs sensibles, c'est pas dégueulasse, mais si vous êtes genre pudique, là. Mais ils font tellement des belles fesses, là. Fait que je les aime full. Mais ils m'ont coûté 100$. Hello! On se retrouve ici le lendemain. On est rendu samedi. On revient du gym, c'est pour ça que je suis habillée en gym. Là, je vais vous montrer encore, on a fait d'autres achats. Moi, on dit qu'on est des consommateurs à la shop santé. Mais c'est des trucs qu'on avait besoin, on avait tout pu rien. Puis avant, je vais juste montrer, on est allé au Rona aussi pour acheter des petits rouleaux de vinyle. On va. Parce que la table est blanche, la table dans le salon. Puis maintenant, on a acheté des sous-verres pour mettre nos cafés. Mais avant, on n'en avait pas. Fait que ça a tout fait des cernes, genre comme si le café coulait. Je sais pas si on sait pas boire ou quoi. Fait que là, à la place de les repeinturer, déjà qu'elle est toute blanche, je trouve ça plate. Je mets ça, mais je vais mettre une couche de vinyle noir. Comme ça, j'ai pas besoin de peinturer. C'est pas compliqué. Donc, j'ai fait ça. Puis, ben, j'ai vu cette belle plante. Fait que j'ai décidé de l'acheter. C'était 7$. Nilo! Salut, mon papa! Fac. Bref. Ça, ça n'a pas rapport. C'est le shaker de gin. Ok. Alors pour commencer, on a eu chacun un shaker gratuit parce que quand t'achetais plus que 75$, t'avais ton shaker. Les deux, on a pris bleu parce que c'est juste bleu ou noir. Des noirs, on en a déjà 1 000 000. Ça. Après ça, on a acheté. Ça, c'est quoi ça ici? Elle, c'est des carbs pour carbs. Faut qu'ils prennent des carbs en poudre. Fait que. 2 livres, je pense. 2 livres de carbs. Je pense que ça n'a pas de savoir. Celui-là ici, 2 livres de protéines iso à la vanille, c'est pour moi. Puis celui-là, c'est pour Cal. 2 livres de iso aussi, mais Ferrero Rocher. C'est préféré. Après ça, on a pris notre sirop pour le café. D'habitude, on prend tout le temps caramel. Celui-là. Mais comme vous pouvez voir, il est comme presque vide, là. Fait qu'on va essayer de faire un changement. On s'est dit, on va essayer mon cœur, peut-être qu'il est bon. Voilà. Non, mais t'es vraiment content. Bon. Après ça, on a acheté, moi, c'est mon pré-workout. C'est comme, il y a un peu de burner dedans. Energy plus burner. J'ai pris une nouvelle saveur, Sex on the Beach. Ça a l'air trop bon. Puis Carl, il s'est pris un pré-workout, aux fruits. Donc, c'est tout. Ça nous a coûté, je pense, 80 chaque. Fait que, c'est ça. La protéine, on en prend en tabarouette, ça va vite. Fait que c'est pour ça qu'on en a acheté quand même souvent. Puis d'habitude, moi, quand j'y vais, j'amène mon propre pot. Lui, ici. Comme vous pouvez voir, il m'en reste plus tant. Mais à cause du COVID, on peut pas. Fait que je vais les transvider dedans. Puis, c'est ça. C'est ça la table que je vous parlais. Puis c'est ça. Bon, attends, c'est du soleil. Il y a comme plein de taches. Puis on a bien beau laver avec n'importe quoi. C'est vraiment comme ancré dans la peinture. C'est vraiment. Bon, ça, c'est juste sable, mais c'est tout ça, ça, ça. Fait que je vais essayer ça. Thank you.
ça, c'est le après. Je suis pas encore certaine si j'aime ça. Bon, le Calgain, fait que c'est pour ça que je... Mais je sais pas, on dirait, si j'aime ça. Ça a déjà l'air de mourir fou. Puis pour vrai, il n'y a pas tant de bulles. Là, on dirait qu'il y en a à la caméra, mais non. Je pense que c'est juste le reflet du soleil. Fait que, je sais pas. Je vais voir si je m'habitue. Venez là. Je viens de finir de passer la mope de laver les planchers partout. J'ai arrêté de filmer parce que j'imagine que vous avez compris que j'ai tout lavé. Qu'est-ce que j'ai passé à la balayeuse? Fait que j'ai suivi le même trajet et j'ai
laver. Là, je suis comme effoirée sur le sofa en attendant que ça sèche parce que je vais pas piler partout. Qu'est-ce que j'allais dire? Je regardais, mais je pense que je vais brosser le nylon, il y a plein de poils qui vont tomber. Non, je vais brosser le nylon, je pense, puis après je vais aller dans la douche. Mais c'est ça, ce soir je vais manger avec des amis au restaurant où Carl travaille. Fait que c'est lui qui va nous servir. Puis c'est ça. Hier aussi j'étais allée au resto. Hier, ouais, c'est vrai, je vous ai jamais dit bye, ou je sais pas trop. C'est quoi dans l'affaire que j'ai filmé? Je pense que je vous ai montré mes vêtements. Bref, après avoir montré mes vêtements, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Puis j'étais allée souper au restaurant avec mon père et ma belle-mère. J'ai mangé des pâtes. Oups. Puis c'était tellement compliqué là, un vendredi soir. Puis parce que tu sais, les terrasses, ils commencent à fermer. Ben pas ils ferment, mais il fait frais. Fait qu'on n'a pas envie d'être sur la terrasse. Fait que là, tout le monde est en dedans, mais les restaurants, à cause de la COVID, sont à capacité réduite. Fait qu'il a fallu faire comme 4 restaurants parce qu'il n'y avait pas de place. Bon. Mon bouton en plein milieu du front. Puis j'avais une saleté. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait comme 4 restaurants avant d'en trouver un qui avait de la place. Fait qu'on a fini au Mangiamo. Il y a trop un resto. Mais c'était super bon quand même. C'était un apporter votre vin. Fait que j'avais amené une bouteille de blanc. Mon père et ma belle-mère, ils ont bu du rouge. Mais moi, j'aime pas ça. Fait que vu que j'ai cheat hier, au moins au resto où Carl travaille, c'est un resto où il y a des trucs quand même santé. Fait que je vais prendre quelque chose de relax. Mais bref, c'est ça, tout ça pour dire qu'hier, au resto, Carl est venu nous rejoindre après. Puis après ça, on est revenu ici. Fait que bref, je vais arrêter de jaser. Puis je pense que je vais aller brosser Nilo, comme je vous ai dit. Désolée du son, c'est la sécheuse là. Je suis en train de me préparer. Regardez ce que j'ai brossé Nilo. Bon, faut couper le gazon là, je suis désolée, mais on comprend qu'il y a du poil ici.